Le festival Rio Loco s'est terminé ce dimanche 16 juin et le bilan de cette 19e édition sur le thème des Caraïbes est des plus positifs. Le festival a enregistré un record d'affluence de 125 000 personnes entre la préouverture de mardi et dimanche, dont trois soirées à guichet fermé avec 22 000 spectateurs. Vendredi soir où le groupe Kassav se produisait, c'est 15 000 personnes qui se sont vues refuser l'entrée dans le festival. Côté météo, malgré les difficultés pour installer les scènes, les spectateurs ont pu profiter des concerts sous le soleil et la chaleur. Aucun incident n'a été déclaré, c'est donc une nouvelle édition du festival qui termine en beauté. Le succès de cette nouvelle édition remet en avant la question du déménagement du festival de la Prairie des Filtres à l'île du Ramier dans le but d'accueillir plus de spectateurs d'ici 4 ou 5 ans. L'an prochain, le thème du festival sera les Caraïbes, mais cette fois-ci côté continent, et ce sont les pays baignés par la mer des Caraïbes, des USA au Mexique en passant par le Venezuela qui seront invités.